Pour comprendre si une personne souffre des maladies mentales, on doit beaucoup se baser sur les symptômes. Et donc, pour se baser sur les symptômes, il faudra d'abord connaître ces symptômes, savoir de quels symptômes là nous sommes en train de parler. Et comme ça va vous permettre maintenant de faire votre diagnostic par rapport à ces symptômes-là que vous avez remarqué. Et quand les personnes viennent nous voir, quand les membres de famille viennent, quand il y a la personne souffrante qui est en face de nous, la plupart des temps, ils vont s'exprimer à des termes basiques, à des termes courants, avec ses propres langages. Maintenant, ce sont ces langages-là que nous devons maintenant remettre dans le contexte clinique et maintenant parler des signes, parler des symptômes. Alors, on a beaucoup plus, les chercheurs ont beaucoup plus étudié les symptômes. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs, nous tous en tant que psychologues et nous tous en tant que professionnels, d'avoir une vue commune par rapport à ce qui se présente face à des personnes. Même si vous êtes dans un autre endroit qui soit éloigné de la Terre, qui soit éloigné des, par exemple de l'Afrique, nous devons avoir nous tous une vue commune des symptômes et c'est pourquoi les chercheurs ont beaucoup plus étudié et vulgarisé les symptômes. C'est comme ça que nous connaissons aujourd'hui les symptômes. Alors, vous allez découvrir dans cette vidéo, mais avant tout, je vais vous demander de vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et merci de me laisser un j'aime. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez tout simplement me laisser un j'aime. Ça ne vous prend pas une minute. C'est vous cliquez tout simplement là où il y a la main comme ça. Et c'est tout. Donc, quand j'ai parlé des symptômes, il y en a plusieurs, mais ça sera très difficile que je vous présente tous les symptômes, que ce soit à maladie mentale. Et d'ailleurs, moi-même, je ne connais pas tous les symptômes qui existaient en santé mentale, dans les troubles mentaux, mais je vais vous présenter quatre principaux symptômes qui vont se retrouver, que vous allez retrouver dans la plupart des maladies et que vous allez trouver dans certaines maladies en particulier. Et là, nous allons commencer par les changements de l'humeur. Et dans les changements de l'humeur, ce que vous allez constater, c'est qu'il y aura une alternance. La personne va passer d'une humeur à une autre humeur totalement différente et que vous allez voir d'ailleurs qui ne concorde même pas avec la personne. C'est tellement patent, c'est tellement visible que vous allez vous en rendre compte. Et donc la personne peut alterner entre une très grande tristesse le matin et une très grande joie, une joie excessive encore dans les après-midi ou les soirs. Une personne qui était maintenant là très triste, mais que vous allez voir dans peu de temps, il entre tellement en joie, une joie excessive là que vous-même vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Et donc là, c'était déjà un symptôme qu'on appelle changement de l'humeur. Et pour certaines personnes, ils peuvent sortir d'une colère que vous allez remarquer que la personne est vraiment en colère d'un des rires complètement fou. Vous allez voir la personne qui était maintenant là en colère, après quelques minutes, quelques heures plus tard, vous allez constater que la personne commence maintenant à rire. Donc ces changements, c'est ce qu'on appelle les changements de l'humeur et ça intervient dans plusieurs troubles mentaux. Et comme exemple, les changements de l'humeur, c'est beaucoup plus visible dans la maladie qu'on appelle ici la manie. Dans la manie, vous allez trouver aussi dans les troubles bipolaires, ça existe et ça très 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 souvent, les personnes qui passent d'une humeur à une autre, généralement facilement. Et deuxième symptôme, qui bien sûr les troubles du sommeil. Alors les troubles du sommeil, en fait, la plupart des temps parlent de l'insomnie, mais si ça ne va pas être toujours l'insomnie. Mais c'est que vous allez remarquer la différence, il y a des personnes qui vont avoir du mal à dormir, donc il part au lit.
Il passe des heures et des heures à trouver des sommeils. Il aura cette difficulté-là à dormir. D'autres personnes, par contre, vont dormir, vont commencer à dormir en tout cas, mais lorsqu'ils vont avoir des réveils nocturnes, lorsqu'ils vont se réveiller la nuit, ils auront maintenant des difficultés pour se réendormir. Les Français, c'est compliqué. Et donc, la personne aura du mal à s'endormir de nouveau. Donc, à dormir de nouveau. Donc, au début, il a eu sommeil. Il a eu sommeil, mais après, lorsqu'il y a eu un réveil, par exemple, peut-être il a eu besoin d'aller à la toilette, mais quand il revient, il n'a pas maintenant cette capacité-là de dormir de nouveau. C'est cela les symptômes qui peuvent arriver dans les troubles du sommeil. Et pour les uns, ça va être de l'insomnie. La personne aura des difficultés à dormir, comme ce que je viens de vous dire. Dans un autre cas, la personne peut avoir de la narcolepsie ou l'hypersomnie. La personne va beaucoup trop dormir, en fait. Il est recommandé, comme je vous disais dans une vidéo sur l'insomnie. Si vous n'aviez pas vu d'ailleurs, je vais mettre aussi ici. Le temps qui est consacré au sommeil, c'est souvent 8 heures du temps pour une personne adulte. 8 heures et probablement 7 heures, c'est aussi bon. Mais maintenant, pour les personnes qui ont de l'hypersomnie, ils vont dormir plus que ces temps-là. Ils vont dormir plus de 10, 12, 13 heures du temps. Et donc, vous allez voir même la personne la nuit. Il va dormir normalement. La journée, il aura encore besoin de sommeil. Quand je parle de besoin de sommeil, ce n'est pas le fait de dormir à 12 heures comme des siestes que la personne peut faire, que nous tous nous pouvons faire. Mais pour les personnes qui sont dans l'hypersomnie, ils auront des difficultés. Donc, ils ne dorment pas même pendant la journée. Et donc, pour d'autres, ça sera peut-être de la somnolence. De la somnolence, pendant la journée, vous allez voir la personne toujours en train de vouloir dormir, les yeux qui clignotent vers le sommeil, en fait. Pendant la journée, alors qu'il est même en pleine activité, il veut faire quelque chose. Et voilà, ça c'est la deuxième catégorie, le deuxième symptôme que l'on retrouve très facilement dans plusieurs troubles mentaux. Et troisième, je vais prendre ce que nous allons appeler ici les retraits sociaux. Et les retraits sociaux, c'est ce qui se remarque beaucoup plus à l'adolescence, mais même à l'âge adulte, ça se remarque. Mais c'est souvent à l'adolescence qu'on a du mal à différencier si l'adolescent est après déjà de souffrir, d'avoir un problème, un symptôme, ou soit c'est seulement ces changements qui existent dans son fonctionnement en fait. Et la plupart du temps, dans les retraits sociaux, vous allez voir la personne qui va se retirer de la vie sociale. La personne qui voulait beaucoup plus être avec les autres, et vous allez voir il ne veut plus encore ces contacts-là avec les autres, beaucoup plus, et il va se retirer. Il va vouloir beaucoup plus la solitude, l'isolement, rester seul, alors qu'au départ, ce n'était pas sa façon de vivre en fait. Alors, c'est pourquoi je vous dis ce n'était pas sa façon de vivre, parce qu'il y a des personnes qui sont habituées avec la société, qui aiment trop être dans le calme, être seul, beaucoup plus pour réfléchir, ce que nous appelons les introvertis, les personnes qui sont introverties. Mais là, ce n'est pas vraiment ce cas-là. Dans les retraites sociales, vous allez remarquer vraiment que la personne préfère la solitude, alors qu'avant, il ne préférait pas du tout. Vous allez voir la personne vouloir rester beaucoup plus dans sa chambre que vouloir aller parler avec ses amis. Alors qu'il parlait beaucoup plus avec les amis, il voulait sortir avec les amis, il voulait jouer. C'était ça, son quotidien, ses quotidiens. Mais maintenant, il va changer. Vous allez voir, les retraits sociaux vont intervenir. Alors, je vais chuter par un autre symptôme très, très, très important aussi. C'est ce que nous allons appeler les hallucinations. Alors, l'hallucination, dans sa définition simple, on parle de la perception erronée des objets. Quand je dis perception erronée des objets, c'est-à-dire ce sont des objets qui, en réalité, n'existent pas, mais la personne est en train
percevoir. Et quand je dis percevoir, la personne identifie. Je ne parle pas des yeux seulement, que la personne est en train de voir des choses qui n'existaient pas, mais la personne peut sentir sur son corps des choses qui n'en ont pas, des choses qui n'existent pas. C'est pourquoi il y a plusieurs sortes d'hallucinations. Alors, dans le cadre de l'hallucination, on peut avoir de l'hallucination visuelle. La personne voit des choses que les autres ne voient pas. Il peut y avoir des hallucinations auditives. La personne entend des voix. Même s'il n'y a pas en réalité des voix, la personne va écouter ces voix-là. Il va entendre des bruits, des gens qui parlent, alors qu'il n'y a pas des gens qui parlent autour de lui. Et il y aura même des hallucinations olfactives. La personne va avoir des goûts. Hein, il va avoir des goûts qui autres, donc des goûts bizarres en fait. La personne, par exemple, a mangé la patate douce, mais il va sentir les goûts d'une autre chose. Et la plupart des temps, ce sont des choses désagréables. C'est qu'il va entendre, il va sentir comme goût. Alors voilà comment l'hallucination va intervenir. Il y a plusieurs sortes d'hallucinations, mais la plupart des temps, ça touche nos différents sens. Nos différents sens, ça peut toucher les yeux, les toucher, les oreilles, le nez, la bouche. Et voilà, c'est comme ça va intervenir les hallucinations en fait. Alors, je vous présente seulement quatre symptômes, mais il y en a plusieurs d'autres. Je pense qu'il y a un temps où je vais me concentrer sur certains symptômes en particulier, où je vais donner plus de détails sur un symptôme, que vous, comme ça vous allez comprendre et connaître comment ça marche en fait. Alors, si vous n'êtes pas abonné, même si je vous ai dit au début de vous abonner, alors maintenant abonnez-vous, laissez-moi un j'aime tout simplement pour me permettre m'encourager aussi de vous faire encore plus de vidéos davantage. Et il y a une vidéo que je vais mettre aussi ici à la fin.